très rapide, juste pour vous faire un petit coucou et vous montrer ce qu'on a fait, Chouchou et moi. Donc Chouchou, c'est mon mari, pour celles qui ne le savent pas encore. Depuis hier, donc j'ai pas pu faire de petits bricolages. Je devais faire une carte, enfin 2-3 cartes, et du coup j'ai pas pu les faire encore. Donc je vais m'y mettre normalement demain, donc vous les verrez. Et je vais vous montrer, là on a juste on a joué au manège avec les meubles. Voilà. Le salon est devenu la salle à manger, la salle à manger est devenue le salon. Voilà, et cette semaine, ou début de semaine, non, plutôt début de semaine prochaine, Chouchou va attaquer les peintures. Donc, on a déjà les peintures depuis un moment. Donc, il va attaquer la peinture de la première pièce, que je vais vous montrer après. Et après, quand ça ira mieux, là, j'achèterai la peinture pour le salon. Vous voyez, la pièce ici, vous voyez, là, c'est tout blanc. Mais là, bon, on a le temps, on fera ça plus tard. Mais là, comme on a la peinture pour la première pièce, donc il va faire cette pièce-là déjà. Et après, il fera aussi la salle de bain et les toilettes, puisque là, on a aussi les peintures depuis un moment. On avait acheté les peintures pour ces deux pièces-là, donc quand on est arrivé. Donc, on va les faire, comme ça, ce sera fait. Et comme il a dit, ça va lui passer le temps et ça l'empêche de penser un peu à notre petit pépère. Voilà, parce que bon, on y pense encore. Hein. Voilà, je vous en parle encore dans les vidéos, mais bon, c'est vrai, c'est encore assez frais pour nous. Donc, lui, il a besoin de s'occuper pour ne pas trop y penser. Voilà. Donc je vais vous montrer ce qu'on a fait donc hier et aujourd'hui. Allez, je vous emmène avec moi. Alors voilà, ici, je ne sais plus si vous vous rappelez, donc c'était le salon. Donc c'est la première pièce, hein, quand on rentre, là c'est ma porte d'entrée. Et donc maintenant on y a fait la salle à manger. Donc la pièce est beaucoup plus petite ici, mais ça nous suffit pour la salle à manger, puisque de toute façon ici, comme son nom l'indique, c'est pour manger. Donc voilà, ça nous suffit. Donc on a tiré les meubles qui étaient dans la grande pièce par là pour les remettre ici. Donc voilà, avec mon bahut, ma table, mes chaises, voilà. Toutes mes petites plantes qui, elles, vont se sentir un peu mieux parce qu'ici, il y a plus de luminosité. Voilà, et du coup, mes petits oiseaux sont revenus par ici aussi. Je vais vous les montrer, s'ils veulent se laisser montrer. Voilà, là, c'est mes deux petits canaris. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on leur a installé un nid. On va voir s'ils veulent ou pas. Là, c'est mes mandarins. Alors, eux, ils vont se sauver quand ils vont voir arriver. Donc là, c'est papa. Ah. Et alors, attendez. Eux, ils sont plus nerveux, hein, pour les montrer. Là, c'est le bébé de le bébé de l'année. Voilà. Là, c'est papa et le bébé de l'année. Voilà. Bon, eux, j'ai du mal à vous les montrer parce qu'ils sont nerveux. Donc voilà, on a commencé à installer nos tableaux aussi, malgré que les peintures ne sont pas faites. Mais de toute façon, on va juste retirer les tableaux, puis on va peindre, mais on ne va pas retirer les clous, hein, de toute façon. Donc voilà, ça c'est la salle à manger qu'on a donc refait. Là, plus rien ne bougera. Maintenant, les pièces sont faites définitivement. Donc, voilà. Là, on verra par la suite. Mais on ne peut rien mettre, c'est très difficile de mettre des choses au mur ici, parce que c'est des anciens murs, donc avec de la brique et de la bourre. Donc, pour celles qui ne savent pas, la bourre, c'est un peu un genre de paille, de la paille avec de la terre, tout ça. Donc, c'est compliqué. Voilà. Et hop, on va éteindre. Et donc, voilà, maintenant, mon salon est ici.
Voilà, donc maintenant là, la pièce est beaucoup plus grande. Oh. L'escabeau est encore là. Voilà, vous voyez, la pièce est beaucoup plus grande maintenant. Là, c'est mon petit coin, avec le petit coin Fifi. Voilà. Fifi, elle dort. Elle a squatté le canapé. Elle ne bougera pas. Et là, c'est le coin. Ah, mon autre pépère qui fait dodo aussi. Voilà, donc ça c'est le coin à chouchou. Et donc la cuisine, mais ça vous l'aviez déjà vu. Donc voilà. Donc bah, du coup, moi le soir je suis ici. Et quand je m'ennuie, enfin je sais pas quand je m'ennuie, c'est que le soir souvent, voilà ce que je fais. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est mon pouf à ouvrage. Voilà ce que je fais en ce moment. Alors, attendez, je vais remettre le couvercle. Donc, vous voyez, dedans, j'ai même un tricot. Donc, souvent, je fais soit le tricot, ou soit, avec une main, c'est pas facile, ou soit mon canevas. Voilà. Donc, voilà ce que je fais en ce moment. Donc ça, je fais souvent le soir, quelquefois l'après-midi, bon, ça dépend. Voilà, bon, il y a encore pas mal de boulot dessus, hein, à faire. Yeah. Ben, mademoiselle s'est réveillée, la voilà. Oups. Allez, elle va venir voir ce qui se passe. Tu viens voir ce qui se passe. Les copines, elles vont être contentes de te voir sur la vidéo. La Fifi. Oh, timide. Coucou les copines. Coucou les copines. Coucou les copines. Donc voilà, en même temps vous aurez vu Fifi. Voilà, là elle s'est mise. Regardez, la voilà. Bonjour, dites bonjour. Oh oui. Bonjour, ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu les copines à maman. Donc voilà. Bah, je voulais vous faire cette petite vidéo, bah, juste pour vous dire un petit coucou. Et en même temps, bah, je repasse un message par rapport au live. J'ai toujours pas de nouvelles de Roxane. Donc Roxane, je suis désolée, mais bon, si d'ici demain, j'ai pas de nouvelles de toi, ta vente va être annulée. Je referai un live, certainement un petit live la semaine prochaine du coup. Donc sans nouvelles de toi Roxane, j'annule ta vente. Parce que bon, bah, j'ai quand même prévenu plusieurs fois. Donc je sais pas pourquoi tu donnes pas de nouvelles. Mais bon, alors voilà. Bah, je vous laisse pour ce soir. Je vous fais à toutes des gros bisous avec ma Fifi. Hein? Avec ma Fifi, oui. Voilà. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. À bientôt. Bisous, bisous.